Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour un unboxing aujourd'hui, un unboxing ensemble qui vient de la boutique dont je suis en partenariat depuis déjà quelques temps, DIY Digital Art. Je vous remettrai, donc c'est comme d'habitude, je vous remets le lien de la boutique sous la vidéo et le lien de tous les articles que je vais vous proposer aujourd'hui, que j'ai eu la chance de pouvoir choisir sur ce site et donc de vous les présenter aujourd'hui en vidéo. Je sais déjà que ça va vous plaire. Voilà, il me semble qu'il y a des petites princesses, enfin du DP girly et que ça va être super sympa. Alors, sur ce site, vous avez 7% de réduction. Il vous donne un coupon et il faudra, je pense, rentrer le numéro du coupon au moment de valider votre commande. Donc, c'est un site très, très complet. Il y a vraiment du DP, mais pas que. On a aussi, vous pouvez faire vos DP personnalisés, on a tout ce qui est bricolage diamond painting, hein, des lampes, des cartes, des marque-pages, des sacs, plein plein de choix, des carnets, tout ce qui est stylets, des boîtes comme ça, voilà, plein plein aussi de petites choses comme ça. Des piluliers, des boîtes de rangement, du point de croix, voilà, qui est très très à la mode en ce moment, et toutes sortes de décorations extérieures, des décorations, des lumières d'intérieur, des lumières extérieures, des petites décorations de jardin, voilà, tout ça, des sacs, des chaussures, il y a vraiment de tout, de tout, de tout, mais ils ont un très très grand choix de diamond painting. Voilà, donc, on va se mettre et on va déballer ce que j'ai choisi. Alors, il y a 5 toiles. Alors, on va commencer. Donc, j'ai déjà noté ce que c'était. Ça fait un moment que j'ai reçu. Vous savez que j'ai un petit peu de retard, hein, dans les partenariats. Ça fait un moment que j'ai reçu ce colis. Donc, livraison en 10 jours, 15 jours maximum. Voilà. Alors, et on va découvrir les jolies toiles. Alors, c'est des fées, c'est du Disney, c'est du girly. Hein. Voici la première demoiselle. Alors, il y a... Je suis toujours embêtée avec les reflets. Hein. C'est le souci, mais on voit très bien. Regardez comme elle est jolie. La robe est magnifique. Une vraie petite fée avec des fleurs et tout, des couleurs sublimes, des fleurs. Je pensais qu'il y avait un papillon. Si, elle a un petit papillon sur la main et tout. Elle est vraiment très, très belle. Alors, c'est une 30 sur 40. Elle a 22 couleurs. Celle-là, je ne l'avais jamais vue ailleurs. C'est la première fois que je l'ai vue. Ça se peut qu'il y ait des doublons. Hein, parce que des fois, j'ai un coup de cœur et... j'ai oublié que je l'ai commandé chez un et voilà. Quand j'ai vraiment un coup de cœur, ça se peut que je l'ai plusieurs fois. Voilà. Là, je ne sais pas si c'est dans cet unboxing-là, mais je vais avoir des toiles de bonhomme de neige que je ferai gagner. Et j'en ai offert une à ma tata. Donc, du coup, je m'en suis recommandé une pour moi parce que ça va être mon défi de Noël. C'est mes petits bonhommes de neige. Vous savez, il y en a 5. Et voilà. Donc, ça se peut que vous la voyez plusieurs fois passer. Et celle-ci, elle sera aussi... pour le cadeau des abonnés. Voilà, donc 22 couleurs, revenons à nos moutons. La toile est pailletée, très très jolie. Les symboles sont nickel. Waouh, wow, elle donne envie, hein, franchement. Le petit kit tout simple, basique, qui va bien. Et les diamants, donc dans des sachets en ribambelle, avec les tons de couleurs que vous voyez sur la toile. Hein. Il n'y a pas de mystère, on a beaucoup de rose, beaucoup de bleu vert. On a également du violet et des beaux verts. Franchement, la toile, les couleurs sont vraiment très, très jolies. Alors, celle-ci, voilà, c'est la fée rose. Première toile que j'ai choisie. Alors, je n'ai jamais eu de soucis avec cette boutique. Hein. Franchement... Alors, la fée rose, hein. Et là, nous avons une jolie fée, mais bleue. Alors, vous voyez, en fait, ce sont des entreprises, hein, des sièges
qui travaillent eux-mêmes avec, qui ont commandé des toiles à droite, à gauche, sur telle ou telle, chez telle ou telle boutique. Et vous voyez que il y en a qui sont dans des sachets zippés, il y en a qui sont dans les sachets en ribambelle, il y en a qui ont des kits qui vont à la pince, plein de sachets zippés, voilà, plein d'embouts. C'est d'une toile à l'autre, c'est vraiment très différent, hein. Là, j'ai tout en sachet zippé. C'est pour ça que je vous dis ça. On a le kit normal et on a tous les diamants ronds. Évidemment, là aussi, c'était du rond, hein, je ne vous le dis pas, mais quand c'est des partenariats pour moi et que c'est des toiles qui me plaisent, je prends rond. 24 couleurs. Elle est pailletée. Elle est très, très belle. Oh, elle est magnifique. Petite elfe, enfin une petite fille. Elle est assise. Elle est assise, elle a des petits papillons bleus. Oh, elle est vraiment belle. Hein, elle est très très jolie. Elle a des petites ailes de papillons. Alors, on dirait qu'elle est sur une colonne où je la découvre en même temps que vous. Hein, donc, je la regarde. 24 couleurs. Celle-là, elle est vraiment magnifique. Je peux vous montrer la petite photo d'identité de mademoiselle. Et en même temps, je vous montre les symboles qui sont très 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 nets, très bien faits. Wow, elle est très belle. Hein. En vrai, on dirait un petit ange, quoi. Oh là là. Il y a une superbe collection de ces petites poupées. Hein. Franchement, elle est magnifique. Donc voilà. J'en ai pris une rose. J'en ai pris une bleue. Mettre dans une chambre de petite fille. Puis 30-40, c'est pas très grand, donc on peut en faire plusieurs. Moi, j'aime bien en avoir plusieurs de la collection. Comme les petites gros yeux, là. J'apprécie beaucoup. Alors, j'espère que vous serez prêtes pour les belles toiles que j'ai trouvées. Je les ai vues que sur ce site. Sinon, il y a longtemps que je les aurais commandées. Oh, j'ai ouvert des deux côtés. Tant pis. Alors, elles font 30 sur 55. On va regarder ensemble les mesures. Parce que je pense que ça doit être 25 sur 50. J'ai pris 3 sortes. Je ne sais pas s'il y en avait une quatrième sorte, mais j'en ai pris 3. J'ai pris les 3 que j'ai vues. Alors, pour moi, nous voici avec Blanche-Neige. Si je me trompe, je sais qu'il y en a qui corrigeront. Merci. Voilà. La première princesse, elles sont énormes. C'est la même taille, en fait, que les jolies dames, vous savez, qu'on faisait là. Alors, là, l'image fait 25, c'est ce que je vous disais. On est sur 50, voilà. 25 sur 50, eux, ils vous disent 30 sur 55, mais ils ont compté les bords. Voilà. Donc, je vous montre la petite photo d'identité de la petite princesse ici. Les symboles sont très bien faits, comme toujours. Elle a 24 couleurs. Donc, je pense que je relancerai le prochain défi. Ce sera le défi de l'hiver, vous le savez. Halloween, Noël, tout ce qui est bricolage de Noël aussi. Paysage hivernal, grande toile aussi, paysage, voilà, ça va passer dans les paysages d'hiver, ce qui est sur le thème de l'hiver, voilà. Et vous m'avez demandé aussi un prochain défi, girly, donc ce sera sur tout ce qui est fille, princesse, fée, elfe, sorcière, enfin bref, voilà, poupée de tout genre, en tout genre. Donc, celle-ci fera partie du défi. Elle est vraiment magnifique. Elle a une grande taille. Et franchement, j'adore. Alors, on a le petit kit normal, tout simple. Je vais vous la remettre comme ça, si vous voulez encore la regarder. Et puis, on a les diamants, donc en sachet ribambelle, des diamants ronds, évidemment. Et on a ben, beaucoup de bleu, beaucoup de jaune, du gris, du beige, du crème. Du bleu clair, magnifique, sublime. Je suis en admiration devant ces jolies toiles. Franchement, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Elles sont pas très chères en plus. Et pour votre commande, vous avez un coupon de 7%
Ben, c'est toujours ça. Alors, celle-ci, je les tiens vraiment. Il y en a beaucoup hein, que je voudrais faire. J'ai fini mon défi. Après, je vais me lancer dans ma fée de sucre. Alors, c'est pas la peine que je le rentre par là. Ça ne rentrera pas. Et vraiment, je voudrais faire celle-ci pour mettre sur les murs vers le lit de ma petite. Sachant qu'entre-temps, j'ai les autres cendrillons, j'ai les autres la belle et la bête. Enfin, j'en ai un paquet. Bon, on ne va pas forcer. Ce n'est pas la peine. On continue sur la collection des demoiselles princesses. Donc, après Blanche-Neige, tout de rose vêtu et de jaune, nous avons Belle. Ah, c'est une boxing, je me régale. La toile est pailletée de dingue. J'espère que vous le verrez, franchement, elle est, je le vois sur le rose et tout, elle est vraiment très pailletée. Elle est superbe, superbe. Alors, elles ont tous leur petite lune, elles sont assises sur la lune. Elle est magnifique. Alors, celle-ci, je ne sais déjà plus l'autre, hein, mais celle-ci, elle a 22 couleurs. Ça rouspète, je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas si c'est en haut mon mari qui rouspète ou si c'est dehors. Elle est superbe. Je pense que mon mari essaie de se reposer et Mathis joue à la console et saute comme un bourricot. Ça doit être ça. Bref, revenons au monde Disney. Elle est magnifique. Celle-là, je pense que c'est la première que je ferai. Je ne sais plus comment est l'autre, mais la petite couronne et tout, elle est vraiment belle. Waouh. Faut aimer le rose, faut aimer le rouge. Le jaune aussi, vous me direz, mais c'est vraiment des couleurs principalement roses. Le petit kit tout simple. Et puis voilà, plein de roses. On a même du violet. Ici, ici. Puis des tons de jaune différents pour la robe. Elle est vraiment magnifique. Oh, ça va être un régal. Si la toile va super bien, oh, elle va être magnifique. Alors ça, c'est la deuxième et c'est belle. C'est la colle hein, qui colle super bien. Voilà. Et la troisième, c'est Jasmine. Donc celle-ci sera dans les tons de bleu. Alors je remets. Voilà. Toujours des diamants ronds, toujours les sachets ribambelles, toujours la petite lune. Franchement, hein, c'est pas top ça. Regardez. Voilà, la dernière toile que j'ai choisie. Il y en a trois. Peut-être, les amis, si vous allez voir sur DIY Digital Art, peut-être qu'entre-temps, ils en ont remis des autres. Faites-moi signe. Faites-moi signe parce qu'il y aura peut-être Cendrillon, il y aura peut-être Alice. Réponse, on ne sait pas. Mais elles, franchement, elles sont super jolies. Les visages sont très très bien faits. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, elle a 22 couleurs. Les diamants, on est dans du vert et du bleu. Du noir, les cheveux évidemment.
Sa gueule. C'est dehors. C'est des voisins. Et tout est fermé. Donc, bref, nous revoici. C'est pas interruption de l'enfant, c'est interruption des voisins. Tu passes par là, je fais des gros bisous. Ça me fait toujours rire. Et là, oui, c'est l'interruption du voisin. Voilà, donc les jolies toiles que je voulais vous présenter aujourd'hui. Franchement, j'espère que vous aimerez autant que moi, parce que franchement, je les trouve trop, trop belles. Donc, si vous en voyez d'autres, vous savez où me trouver. Faites-moi signe que j'aille me commander la suite de la collection. Hein, parce que là... En plus, avec une grande taille comme ça, franchement, elles sont vraiment magnifiques. Hein. Alors, je ne pense pas qu'il y aura de rupture. Je vous mets les liens. Mais voilà, sachez que vous allez tomber sur le lien de Belle. Peut-être qu'il y en a des autres. Alors, je vais remettre comme il faut. Voilà. Et puis, profitez en ce moment. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est en ce moment le coupon de... 7% voilà pour votre commande chez Dye Digital Art. Donc moi je vous fais d'énormes bisous. Je suis trop contente de cet unboxing et de ce partenariat. Donc merci à eux s'ils passent par là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos petits pouces et vos petits commentaires qui me font toujours plaisir. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.